Bonsoir, bonsoir. Bon, je rentre au Cameroun. Et c'est quand vous faites 2 jours, vous ne m'entendez pas. Vous commencez à me faire un message sur WhatsApp. Que wow, tu es où? Que wow. Quand il ne t'entend pas, il veut mourir. Si vous ne me voyez pas pendant 2 jours, allez regarder mes autres vidéos. Voilà. Ce soir, qu'est-ce que je veux? Je veux partager avec vous. Donc, premièrement, je suis rentrée à Douala. OK? Je suis à Douala. Bonsoir, la reine Fatou. Vous aussi, vous me manquez déjà. Moi, j'ai dû rentrer vite, vite, vite. Donc, que je veux partager avec vous, ça va un peu secouer vos esprits. Mais je voudrais mettre une petite touche personnelle. Beaucoup d'entre vous, vous avez essayé déjà 7 fois. Amel Dominique, quand il paye mon ticket pour partir, tu m'as payé le ticket. Ne me tentez pas. Tu as payé mon ticket. Où sont les provisions? Laissez-moi, j'enseigne. Donc, je disais ceci, il y a des choses que vous avez essayées 7 fois. Tu as fait ça, échoué, tu as fait ça, échoué, tu as fait ça, échoué. Tu t'es marié 4 fois. Là, tu rencontres encore un homme. Il te dit qu'il t'aime. Je sais pas pourquoi la fesse est floue, vu comme ça, là, vraiment. Il te dit qu'il t'aime. Comme t'as Antoine, j'ai une dame qui m'a dit ça l'autre jour. J'ai rencontré en Côte d'Abidjan. Elle venait d'Accra pour me voir. Elle me dit que même pour dormir, elle dort qu'avec mes vidéos. Elle dit qu'elle est obsédée par mes vidéos. Donc, si c'est ça, c'est bien. Donc, vous êtes tombé sur ma page. Ce qui a provoqué votre, qui a attiré votre attention, c'est mon discours. Je viens vous informer que tous ceux qui me suivent là, vous aurez des opportunités dans les jours qui viennent. Les choses vont venir à vous. Et cette fois, ce sera encore plus beau qu'avant. Tu vas vouloir faire un truc. On va te proposer la promotion en 2 mois. Tu vas rencontrer un homme au bout de 3 semaines. Il dit, viens, on aménage ensemble, on se marie dans 1 mois. Je veux que vous compreniez que les bonnes choses venaient dans votre vie à cause de votre vibration. Maintenant, depuis que vous m'écoutez, votre vibration est en train de monter. Ce qui fait que vous allez manifester plus facilement qu'avant. Avant, ça te prenait pour acheter un terrain de 15 millions. Tu devais mettre 2 ans pour économiser. Bonsoir, le roi Moussa.
Le roi Moussa, il sent que c'est toi qui vas me recevoir quand il est venu à Maroc. Tu me suis tellement tous les jours. Depuis que tu me suis, tu vas acheter le terrain de 15 millions là en 2 mois. Ton énergie est en train de monter. Quand ça va venir, ne discute pas de tes choses avec quelqu'un. Il y a les gens à qui tu ne dois plus aller dire que je veux aller faire ça. Tu penses ça? Tu crois? Like, tu en penses quoi? Il ne va pas financer ton projet. Il ne sera pas là pour veiller à ce que ton projet se passe bien. Pourquoi tu lui demandes? Pourquoi? Donc quand le tout si là, ça va commencer, il faut que tu comprennes que c'est ta vibration qui maintient ton monde. Si avant tu étais l'agent, je ne sais même pas ce qu'il faut vous dire. Tu vas acheter une maison. Tu tournes. On te dit que normalement, pour avoir une maison de 200 000 euros, il te faut au moins 15 ans. Depuis que tu m'écoutes, tu te vois en train de payer la maison là en 6 mois. Ma chérie, même à ton banquier, ne pas lui dire que tu peux payer la maison. Mon banquier, je voudrais payer la maison là en 6 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es bête. Tu es bête. Tais-toi. Certains d'entre vous, surtout ceux qui m'écoutent, je sais que, donc, écoutez, hein, je vois vos messages, je vois vos dîmes. Je vois les gens qui me disent que le mois passé, j'ai payé la dîme de 1 000 francs. Ce mois-ci, voilà 4 000 francs. 2 semaines plus tard, elle envoie encore 4 000. Ça veut dire que le mois, elle a eu 80 000, le mois passé, elle avait 10 000, le mois, elle a 80 000. Ils disent que ma chérie continue. Dans 2 mois, tu seras à 500 000. Dans 3 mois, tu seras à 2 millions. Et je veux vous informer que tout ce que vous avez échoué dans le passé, le tout si, ça ne va pas tomber. Ça ne va pas tomber. Tu vas monter, monter. Toi-même, tu vas rester au stade que yé. Donc, il n'y a pas de problème. Tu cherches le problème. Tout va bien. Tu montes, tu montes, tu montes. Au lieu d'acheter un terrain en 2 ans, en 3 mois, tu achètes 3 terrains. Je vous dis. Trois mois, tu achètes 3 terrains. Toi-même, tu restes en salle, tu dis que. On te propose le premier terrain, tu dis que non, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau. Écoute, ta vibration s'est levée. Tu as demandé. Si vous ne faites pas comme ça, vos bénédictions vont venir, vous allez laisser partir. Quand on va te faire la proposition, là, ne dis même pas ça à n'importe qui. Il y a des gens qui ont besoin de 6 mois pour checker les propositions. Parce qu'ils veulent économiser 1 million. Toi, en une semaine, tu te fais 2 millions. Pourquoi tu vas aller écouter la personne? Il va prendre 6 mois pour vouloir te faire économiser 1 million. Oh, fais attention, on n'est pas sûr. Ah, non, 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 non. Ça te ralentit ta propre vibration. J'ai vu un terrain, je vais l'investir sur ça. Voilà, si je prends, je me mets avec 3 personnes, on construit l'hôtel. L'hôtel va coûter peut-être 300 millions de francs CFA, mais le revenu annuel, ce sera de 150 millions de francs. Tu es sûr? C'est qui comme ça? Tu es sûr? Non, 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 il faut réfléchir encore.
Il faut d'abord les laisser pas te construire 3 hôtels. Jusqu'à tu es sûr que ça marche. Avant de voir. Voilà comment on te bloque. Il y a les choses qui sont en train de... Écoutez, si vous m'écoutez, je vous dis, ceux qui sont sur ma page ici, vous aurez souvent des propositions qui n'ont pas de sens. Genre, quelqu'un vient te dire, voilà, j'ai ma voiture qui coûte normalement 50 millions de francs CFA. Voilà, je suis bloqué à l'aéroport, j'ai 5 autres voitures. Hein. Tu sais, donne-moi 5 millions sur la voiture si je te donne. Tu veux, hein? Mais c'est ma voiture de rêve. Mais c'est trop beau. Non, non, moi, non, non. Non. Tu vas aller checker avec 5, même 10 personnes. Ta vibration a orchestré ce qui se passe devant toi. Ta vibration. Supposons que tu paies la voiture. Tu prends la carte grise. Tu rentres chez toi. Dimanche là, après-demain. La belle famille vient te visiter. Ha! Il est entré dans le femme là et hey! La voiture là est volée. On a volé la voiture là. On commence à te parler. Tu es sûr. Il met le doute dans ta tête. Lundi, tu appelles le vendeur, tu dis vraiment, moi, je ne suis pas sûr du deal qu'on a fait. Ma famille m'a dit que tu m'as escroqué. Ma famille m'a dit que tu as volé la voiture. Tu dis que tu as acheté la voiture, c'est où? Il te dit que gars, tu es venu chez moi. Tu as vu, j'ai 6 voitures comme l'autre là dans mon parking. Tu crois que je manque de voitures? Il manque d'argent? Il te parle, il te parle. Finalement, tu l'élèves même. Il dit, ok, remets mon voiture. Il prend ton argent et te remet. Toi-même, tu as gâté ton opportunité qui est venue devant toi. Dans ta chambre comme tu es aujourd'hui là, demain, tu peux rencontrer quelqu'un qui est le petit frère d'Eto. Tu peux rencontrer quelqu'un qui travaille dans la résidence d'Eto. Je dis, mais c'est facile, je peux te parler, je peux parler de ton projet et tout. Mais donne-moi tes papiers, donne-moi le projet là, allez. The Gift Digger Academy, mais viens, je vais t'introduire. Je te présente à la femme de Macron. Tu parles de quoi? Je vais là-bas la semaine prochaine, on va à Paris. Et tant qu'on te dit qu'on part à Paris comme ça, là, tu m'as dit, hé, non, moi, je ne peux pas croire ça. On te dit non, paye seulement ton billet d'avion. Le billet d'avion, ça va peut-être 700 000. Paye le billet, moi c'est tout. Celui qui veut m'arnaquer 700 000. Elle veut m'arnaquer 700 000. Toi-même, tu vas avoir la voiture que la femme est venue garer devant toi. Elle ne manque pas l'argent. Elle te dit que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai envie de te donner, de te faire cette faveur. N'ai jamais amené quelqu'un avec moi à l'Élysée. Viens quand même ou pas? Donc voilà, tu m'as écouté aujourd'hui quand j'ai parlé dans la vidéo comme ça, là, que ne doute pas. Dès que la proposition là vient, tu dis, j'y vais. Tu prends ta carte, tac, tu donnes les 500 000, 700 000. On paye le billet. Le soir là, tu as le billet dans ton. On envoie ton passeport à l'ambassade, le même jour on te met le visa. Tu ne fais pas la demande de visa. Le même jour on te met le visa. Dimanche après-demain, là, tout voilà qui est en train de partir. Quand tu es dans l'avion, jet privé. Et elle est gentille. Il dit vraiment, je t'aime parce que tu es sincère, tu vois. J'aime ton énergie. Tu dis, la reine Jocelyne parlait d'énergie. J'aime ton énergie. Tu sais, mon mari, c'est le milliardaire. Il est aux États-Unis actuellement. Je n'ai rien à faire. Donc, je lui dis, autant mieux que j'aille me balader en France. Tu es comme ça dans le jet. Tu veux faire le snap. Tu dis qu'il veut filmer, je vais envoyer la reine Jocelyne. Je vais filmer, je vais envoyer la reine Jocelyne. Je n'arrive pas à croire ça. Tu es comme ça là. Quand on amène le caviar, tu filmes. Tu dis. Ouais, Seigneur. Bonsoir, la reine Pierrette. Pendant que tu es en train de vivre ça, ton mental commence à te combattre. Une femme qui a tout comme ça, là, elle peut être ton amie, pourquoi? Celui qui est dans la sorcellerie, elle a besoin de toi. Elle a besoin de te vendre. Elle veut te vendre. Commence à lui poser des questions. Pose des questions. Tu lui réponds mal. Ta vibration change. Elle devient mal à l'aise à côté de toi. Elle ne te laissait pas.
Après, elle parle chez Macron seule finalement. Elle dit non, on est Mmh. arrivé, le chauffeur n'avait plus le temps pour venir te chercher à la résidence. Bon, finalement, on est quand même, on est directement parti chez elle. Tu as gâté toi-même ton business. Ta propre vibration a gâté ta chose. Combien de fois vous avez eu une belle opportunité? Un mariage qui va se passer. Un homme riche, intéressé par moi. Une petite fille comme moi. Il t'appelle le lendemain. Je t'aime, bébé. Après, il t'appelle encore. Je t'aime, bébé. Tu dis, il m'aime comme ça. Maman. Ah, tu peux pas dire à ta cousine. Non, le jadoum là. Maman. Non. Après 2 jours, t'as dit qu'il t'aimait, non. Je connais ça, je connais ça. Elle a ses 3 enfants comme ça là-bas chez eux. 3 enfants avec 3 pères différents. Elle vit chez sa mère. Elle dit, je vais te montrer. Ok. Il t'a invité demain, non? Je pars avec toi. Tu la portes aussi que tu la mets derrière toi. Vous voilà, vous partez. Elle arrive et se comporte tellement mal. Ça gâte l'ambiance. Ça énerve ton milliardaire. À la fin de la soirée, il dit, oui, je vais te contacter, pas. Toi-même, tu t'es vendu. Tu as gâté ta chose. Vous devez arriver à un stade où votre vibration ne descend plus. Tu vas à Kribi, tu passes 2 jours chez ton milliardaire, tu rentres, tu dis que moi, il prend plus le taxi. Il prend plus la moto. Je suis riche. Chaque jour, tu décides que tu vas prendre un taxi. Tu vas le payer 15 000 de la journée. Va à la Pierrette, on dit qu'il est dans la sorcellerie. Chaque jour, tu te réveilles, tu dis que si je veux me déplacer, je paye mon taxi. 15 000. Comme j'ai dépensé 15 000, je dois rentabiliser, je dois avoir au moins 150 000 par jour. Il y a les faux endroits là où les gens de ta famille t'amenaient souvent. Tu ne pars plus. Aucun endroit, tu ne pars plus. Tu te lèves le matin. Tu concentres, tu focalises ton énergie. Tu pars. Tu vas dans un beau resto. Tu t'assois. Tu fais certaines vidéos. Tu fais ton programme de minceur pour les femmes. Tu fais ton programme de cuisine. Peu importe ce que tu as comme don. Tu es tellement de bonne humeur le jour-là que, avant de rentrer, quelqu'un te contacte. Il prend un de tes services à 100 000. Tu as dépensé 15 000 le matin. Tu étais dans une bonne vibration. Tu as eu 100 000 le soir. Et là-bas, tu rencontres 2, 3 personnes, tu prends leur numéro. Le lendemain, ils t'appellent. Je t'envoie mon chauffeur. T'inquiète, je t'envoie mon chauffeur. Le chauffeur vient avec la voiture. C'est seulement la Bentley. Je dis, mamie, je ne savais pas qu'il y avait la Bentley au Cameroun. Tu entres que sauf. Tu entres que sauf. Ne demande même pas que la voiture. Non, non. Entre seulement. Tu enjoy le cuir blanc. Ouais, le genre de cuir crème, c'est là, non? Oui. Enjoy ton cuir crème là, dans la voiture. Hier, tu étais dans une bonne vibration. L'univers t'a envoyé la voiture que tu voulais là aujourd'hui. Profite. Et quand tu es assis dans la voiture, là, prophétise sur la voiture là. Dans maximum 5 mois, je t'aurai. Avant, je faisais beaucoup d'ateliers de visualisation. Ici, un truc que j'avais remarqué, c'était que le downside des visualisations, c'est que avant, je disais toujours, vois-toi dans 10 ans, dans 5 ans. Quand elle fait la visualisation maintenant, je dis, vois-toi demain, même aujourd'hui, tu es là-dedans. Tu as tout un immeuble, c'est tout l'immeuble là à toi. Hein. Ta cuisine au premier, ta buanderie au deuxième, ta chambre au troisième, la chambre de monsieur au quatrième, la chambre des enfants au cinquième.
Le salon est au sixième. Il y a l'ascenseur. Oui. Tout, c'est ton imagination, c'est tout ce qui te bloque. Imagine. Ouvre ton esprit. Ah, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te voir d'avoir un immeuble. Non, la reine, non, non, non. Tu ne peux pas te voir. Non, 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 non. C'est ma tête pour toi. On vous a tellement bloqué que même dans votre imagination, vous vous bloquez. Même ton imagination est bloquée. Et l'ennemi connaît que si tu ne vois pas, tu ne peux pas faire. Tu ne vois pas, tu ne peux pas arriver. C'est pour ça que la première chose qu'il va faire, il va t'empêcher de voir. Tu restes à côté de quelqu'un. Et il y a un autre niveau spirituel où tu vois à 6h, à 12h, c'est dans ta main. Ah! J'aime le niveau là. Tu restes le matin, tu dis, j'ai envie de... Envie de... J'ai envie de... Dès que tu... Quand tu te décides que, like, I'm making my mind up. Je veux... Je disais aujourd'hui à mon gars que... Parce que lui-même, il connaît que je reste comme ça, j'ai des envies changeantes. Je reste, je dis que oh, je veux la Range Rover. Après, je dis qu'il veut la Bentley. Après, au vieux, lui disait que tu sais quoi? Il faut qu'on ait un grand parking. Je veux pas la faire comment me bloquer sur une seule voiture pendant 4 ans. Je veux me lever lundi, je veux que ça ne pas prendre. Mardi, je veux l'autre, c'est pas prendre. Mercredi, je veux l'autre, c'est pas prendre. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que quand tu peux acheter la voiture, on te dit, madame, vous allez prendre 4 ans pour payer la voiture. Si tu dis, yay. Pourquoi ne pas la payer cash? Tu peux même deux en même temps. Tu dis au monsieur, au livreur que je pars avec le plomb devant que tu pars avec, tu me suis avec l'autre. On met deux voitures dans ton garage le même jour. Deux grosses voitures. Oui. Tu restes là, tu confirmes. Du coup, tu vas t'empresser chaque matin de voir. Je fais les vidéos, je mets sur YouTube. Oh. Je vous ai demandé, vous allez vous abonner sur YouTube, vous ne battez pas. Depuis 2 jours que vous dites que je n'ai pas fait de vidéos, depuis 2 jours, j'ai mis 2 vidéos sur YouTube. Allez vous abonner sur YouTube. Le nom, c'est The Gift Digger Academy. Ce matin, dans la vidéo, je disais. Bon, j'ai oublié ce qu'il disait dans la vidéo. Passons, j'ai oublié. Il est possible pour vous d'arriver dans un moment où vous pensez le matin. Le soir, vous voyez le produit de vous. Quand vous le faites déjà, mais vous faites à petite échelle. Oh, on va manger quoi le matin? On mange quoi aujourd'hui? Le riz sauce tomate. 4 temps plus tard, tu as le riz sauce tomate devant toi. Tu viens de manifester ta pensée. Maintenant, je veux que tu mettes ça sur les grandes choses. Utilisez votre pouvoir. Alain K, pardon, dis-moi, je suis intéressé. Tu as compris? Je suis intéressé. Je veux le rendre ouvert là, oui. Il me faut ça dans les semaines qui suivent là. Bon, contacte-moi, Nino. Je crois qu'on a déjà parlé plusieurs fois, Alain. Je veux que dans la journée de demain, quand vous marchez, quand tu vois un truc qui te plaît, vois-toi avec ça. Tu vois un truc qui te plaît, vois-toi avec ça. Tu vois un homme qui te plaît, ne te vois pas avec le mari de quelqu'un. Vois pour toi toi-même. Je dis, oh, ça c'est beau. Oh, le jardin là est beau. Oh là, j'aime la couleur de la villa. Si. Ouais, je vais peindre ma villa comme ça. La maison où tu vis. Vois-toi en train d'acheter la maison là. Tu achètes, tu payes cash.
Tu payes cash. Oui. Il y a les montants qui blessaient souvent mes oreilles. Genre, j'ai acheté une voiture à 35 millions. Banaliser les montants dans vos têtes. Banaliser ça. Ce n'est qu'un chiffre. Ton mode de vie pour une autre personne, c'est le luxe. Pourquoi? Je suis arrivée chez une amie, une dame là l'autre jour. Je trouvais qu'elle vit vraiment dans le luxe. Pour certaines personnes, c'est le luxe. Elle me dit, ah, j'ai même quoi? Ah, je dis, are you like, t'es folle? Les gens prêteraient ton appartement ou bien ta voiture pour aller tourner les films, la musique, le clip vidéo. Parce que pour eux, c'est le top. Mais toi, tu banalises, like, ah, ça, c'est rien. C'est rien, ça. Oui, vous-même, commencez à faire ça. Oui, envoie ta dîme sur mon numéro MDN. Je fais d'en dessous toutes les monnaies. J'ai même le CD du Ghana là. J'ai l'argent ivoirien. J'ai le dollar, j'ai l'euro, j'ai le. J'ai un coco là. Il n'y a que le pound qui veut que demain qu'on m'apporte ça. Mon dollar canadien, j'avais mis ça quelque part là. Je sais pas, il faut que je trouve ça. C'est la reine Chana qui m'avait donné ça. La reine Hortense. Je suis là pour vous ouvrir. Je vais ouvrir vos chakras. Je vais ouvrir votre œil là. Tu vas rester comme ça là. Ton papa ticone, maman ticone, enfant ticone, mari ticone, tante ticone, oncle ticone. Ils ne peuvent plus venir. Parce que ton énergie va radier. Ce sera trop fort. Quand ils vont arriver à côté, ils vont se taire. Tu dis, mais ma tante, c'est qu'elle venait ici bavarder. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient chez toi, elle ne parle pas qu'un kick. Ton énergie là. T'as la bombarde. Oui. Elle vient, je te passe au coucher à 19h. Elle dort seulement. Tu as brûlé les encens à la maison, ça l'a cassé son corps. Oui. Elle lit l'heure sur le calendrier chinois. T'as fini. D'accord, j'arrive. C'est vrai, alors j'arrive. Moi, j'ai fait d'en dessous. Vous devez accepter l'argent avant que l'argent vous accepte. Voici un petit signe. Quand quelqu'un t'offre un cadeau, tu fais comment? Jusqu'à c'est un cadeau que c'est énorme. Oh non, 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 tu n'aurais pas dû. Non. Thank you. Thank you. J'ai un client l'autre jour, je la rencontre. Elle est quittée du pays où elle était pour venir me voir. Tu vas sûrement voir ceci. Elle arrive. Elle m'a gardé des parfums. Elle m'a pas acheté un parfum. Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Pas cinq. Elle arrive avec un écaille, c'est plein de parfums qu'elle a pris à l'aéroport. On dit quoi là? Un plastique. Je vois que c'est pour qui? J'ai dit c'est pour moi. Elle dit oui. Comme vous avez dit qu'on m'a gâté en Côte d'Ivoire là. J'ouvre. Maman, les parfums. Et c'est là que le Seigneur m'a juste rappelé à l'esprit que il fut une époque, si on te donnait ça, tu allais commencer à dire, maman, tu n'aurais pas dit, ouais, comment? Yay. Après, elle a encore payé sa consultation VIP. Elle a payé tout ce qu'il fallait qu'elle fasse avec elle. Sans dire que, wow, fais une réduction, non. C'est aussi parce que votre esprit est trop pauvre, ouais, je ne sais pas, vraiment. J'ai fait de mon mieux pour vous guérir. On te complimente. Waouh, tu es jolie. Oh, merci. Tu n'ajoutes plus rien. Genre, tu sais, ah, je tiens ça de ma mère, tu sais. Je n'ai même pas mis le make-up. Comment tu peux dire que je suis jolie? Ah, j'essaye. Ah, on se débrouille, non? Ou bien on te dit, tu es jolie. Ah, pas comme toi. Tu es jolie. Ah, ma mère est jolie. Hey. Et quelle est. Monsieur Roméo, comment ça va? Ne gâtez pas vos compliments. Bonsoir, monsieur Roméo. Ne gâtez pas vos compliments. La prochaine fois qu'on te fait un compliment, tu dis merci, tu fais pause.
Tu ne dis rien. Waouh, ta robe est belle. Hein? Oh non, j'ai acheté ça au marché congolais seulement à 5 000. C'est 5 000 seulement, donc comment tu peux apprécier ça comme ça? Ma chérie, même si j'achète quelque chose à 1 000 francs, dès que je porte, la valeur devient 200 000. Donc quand tu me dis que ce que je mets, c'est beau là, c'est vrai. You're right. You are right. You're right. Ça a pris de la valeur sur moi. Si rien n'a touché quelque chose, les gens vont se bagarrer pour acheter. Pourquoi vous prenez tout pour les cacas? Pierrette, depuis le premier jour que tu es vue, et tu sais que tu es jolie, tu as dit. Donc, ton humilité que tu faisais avant, là, je vais te gifler avec ça. Et tu as dit que je vais te. Le jour où je vais te voir, je vais prendre la chicotte, je vais te fouetter là-bas bien. Ah, tu n'aurais pas dû. Non, tu aurais dû. Et même plus. Oh, merci. C'est gentil. Tu te tais. Tu laisses ça entrer dans ton corps. Ce qu'on vient de te donner. Parce qu'il y a des personnes qui veulent t'honorer. Il y a des personnes qui veulent honorer ta beauté. Il y en a parmi vous que. Souvent, les gens viennent ici, là, chez moi. Ils disent, maman, tu es belle jusqu'à. Donc la personne venait seulement pour me voir. Que, oui, je vais seulement te voir. C'était bien seulement pour me toucher. Dis oui, touchez-moi. Tu es content maintenant. Bye bye alors. L'autre jour à Abidjan, il y a une qui m'a amené. Elle m'a amené. Elle m'a pris là pour l'après-midi comme ça là. Elle m'a amené à la plage. On est allé loin, loin, loin. C'était tellement beau. Dès je suis à rentrer, je suis au Cameroun. Et en fait, on partait pour visiter son chantier. Mais en rentrant, il m'a dit, voilà, je vais t'amener. Je ne savais pas qu'elle m'amenait à la plage. On arrive seulement, on entre dans un autre bateau qui nous amène, il traverse la ville, il va de l'autre côté. Il dit, ok. Elle me dit, à la fin de la journée, elle me dit, oh, c'était un honneur pour moi. Je voulais lui dire merci. Elle me dit non. C'est un honneur pour moi. J'étais honorée de passer l'après-midi avec toi. Et là, j'ai dit, wow, thank you. Bonjour le roi Guy. Souvent, tu vas accepter. Quelqu'un va te donner un cadeau. Elle voulait me faire. Elle me dit qu'elle a oublié d'acheter les Ferrero. Les Ferrero. J'y ai ri jusqu'à. Les Ferrero Rocher. Il disait, on est entré à la station pour acheter. Je voulais manger des biscuits. Je vais dans la station pendant qu'elle prend le carburant. Je vais me servir. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui payeraient ce que je veux. Donc, si j'étais là-bas, ils prenaient même tout de 40 000, 50 000. Quand elle veut manger, elle payera avec plaisir. Il y a des gens ici dehors qui vous offriraient certaines choses avec plaisir. Ils mettent même le cadeau dessus. Et qu'elle te donne aussi le content. C'est un dragueur qui vous donnerait de l'argent. Tu le regardes, tu souris seulement, aussi le content. Tu dis, oh, merci. Ils font, ils disent, oh, elle a souri. Oh. Bon, je vous ai fait un enseignement très light. Ok? Très, très light. Autant, je suis dans la trentaine. Je ne sais pas si ça a vraiment de l'importance. Mais mon esprit là, j'ai même 900 ans. Hein. J'ai même 950 ans. J'aime pas seulement la trentaine. Mon esprit, c'est trop vieux. Mon esprit est trop vieux. Donc, j'ai fait vraiment. L'enseignement était. C'était la glace. Tu vois, quand tu manges le ice cream. Mais c'était juste le dessert que je vous ai donné. Donc, permettez-moi de partir. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. Sur YouTube, le nom, c'est The Gift Digger Academy. Le même nom qu'ici. On va aller là-bas vous abonner aussi. Ok. En attendant, je vous fais des bisous. Guarantee you can blow your mind. Bye.